Et la très bonne nouvelle, c'est que les pro-européens, il n'y a pas eu de raz-de-marée de cette vague nationaliste. Il y a eu vraiment... Ben non, il n'y a pas eu de raz-de-marée, hein, je suis désolée. Mais il n'y a pas de raz-de-marée, hein, je vous jure, quoi. Et ensuite, ce qui est hyper aussi satisfaisant, c'est qu'il y a un regain d'Europe, puisque les pro-européens sont majoritaires aujourd'hui. Une vague verte, pas de raz-de-marée nationaliste, Philippe Olivier. Vous êtes pas une vaguelette. Non, non, pas du tout. Il y a une vague, on la voit. Bon, alors, on la voit évidemment en Grande-Bretagne, c'est une confirmation, parce que c'est une confirmation du Brexit. On la voit en France, où la liste de Jordan est arrivée en tête. On la voit en Italie, on la voit en Pologne, on la voit en Hongrie. Et évidemment, les européistes veulent nier la réalité, mais la réalité, elle est là. Et on va avoir un courant... Vous n'êtes pas majoritaire ici. Mais écoutez, on n'est pas majoritaire, mais personne n'est majoritaire. Ben voilà, donc et même vous n'êtes pas le premier parti du Parlement, ce n'est pas un raz-de-marée. Et surtout pas les gens sortants. Donc,